Salut, salut les boys, on se retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon 5 pour une petite astuce pour gagner de l'argent et des voitures facilement. Donc, pour commencer, ceux qui débutent tout juste dans le jeu, donc vous devriez faire à peu près 2 ou 3 courses pour avoir à peu près 35 000 crédits. Et après, on va faire star et on va se rendre dans voitures et acheter des voitures neuves et d'occasion. Donc, on va aller à. On fait oui, voyage instantané au festival d'Horizon Mexico. Let's go! Donc arrivé à là les boys, ce qu'on fait c'est qu'on va aller dans les salles des ventes et on va faire une petite recherche de vente et on va faire une recherche de vente sur la voiture type de voiture drift. Donc on va aller sur le drift, c'est le quatrième en partant de la fin, donc voilà, on fait confirmer voiture de drift. Et ce qu'on va acheter c'est, voilà, tout simplement une Nissan 350Z à 30 000 crédits. Donc voilà, après dès que vous faites oui, vous faites enchérir, donc voilà. On arrive à là, on fait enchérir, vous faites OK. Et ce qui va se passer, c'est que dès que vous revenez en arrière, vous allez dans mes enchères. Et les enchères, la voiture, vous avez enchéri dessus, donc vous allez la voir ou pas. Et si vous ne l'avez pas au premier abord, vous répétez l'opération, vous recherchez une autre voiture à 30 000 crédits, une Nissan 350Z, et ça fera le taf. Donc voilà, vous achetez. Nice. Moi, je l'ai déjà acheté pour vous, donc on va se rendre directement sur la voiture dehors, voilà, donc ce qu'on avait de base. Donc voilà. Et on se retrouve ici. Et à partir d'ici, les boys, ce qu'il faudra faire, c'est du drift justement pour avoir des points de chaîne. Donc on va aller, par exemple, ici. Donc on se retrouve ici pour faire du drift. Donc voilà, je vais vous donner une petite astuce. On va aller là-bas et on se retrouve tout de suite, les boys. Voilà, nous sommes arrivés. C'est ici, donc comme sur la map. Comme je vais vous montrer. Tac. Donc voilà, c'est sur la grande ligne droite là. Pour débuter, ce sera plus facile. Mais après, je vais vous donner une astuce pour améliorer le gameplay, on va dire ça comme ça. Donc là, vous allez commencer à faire des drifts. Le plus long que vous pouvez faire, le plus possible. Voilà, des drifts. Et essayez de casser les petits éléments qui sont cassables. Comme les petits panthères en même temps. Voilà, vous faites ça. Et ce qui va se passer, c'est que... Après, vous allez gagner des points, donc vous faites ça jusqu'à à peu près 80 000 en continu. Donc voilà, le multiplicateur va augmenter en même temps. Et ce que vous allez faire après, c'est start. Vous allez dans voiture, et vous allez dans maîtrise du véhicule. Et là, ce que vous allez faire, c'est acheter tout ce qui améliore justement les scores de prouesse. Donc voilà, là c'est écrit les scores de prouesse à la chaîne ultime de votre voiture sont augmentés de 15% par exemple. Et vous allez augmenter tout ça. Et en même temps, vous allez chercher le wheel spin ici. Ce qui va se passer dès que vous allez acheter le wheel spin, c'est que vous allez avoir un tirage, comme ici. Et plus vous faites de points de prouesse, etc., plus vous montez le niveau, plus vous allez gagner des tirages comme ça gratuitement. Donc ce que vous allez faire, c'est accepter, on va aller sur le wheel spin. Vous pouvez gagner le meilleur comme le pire. Donc vous pouvez gagner des vêtements comme, voilà, par exemple, une voiture. Voilà, tac, c'est très bien ce qui se passe là. Donc voilà, vous avez gagné une voiture, par exemple. Tac. Ce que vous allez faire avec vos points de vos points de maîtrise de véhicule, ce que vous allez faire dès que vous avez tout augmenté de votre véhicule de drift, ce qu'on va faire c'est justement aller sur la nouvelle voiture qu'on vient de gagner. Donc là c'était tac, on va aller sur changer de voiture et on va aller sur la voiture qu'on vient de gagner. Donc tac, c'était une Volkswagen si je me trompe pas. Tac, c'est tout à la fin. Volkswagen, voilà, on a gagné le Sirocco. Donc on va aller sur la Sirocco, on fait oui, on veut monter dans la voiture, on livre la voiture, nickel. Donc on fait, voilà, on livre la voiture. Et ce que vous allez faire là, sur les premières voitures, c'est l'astuce la toute première pour débuter, vraiment pour les débutants. Donc vous allez dans voiture, vous allez en point de maîtrise, vous gagnez des points de maîtrise bien évidemment, et vous allez faire justement toute la lignée pour gagner le petit wheel spin qui est juste ici. Donc vous allez faire XP, vous allez faire ça, le coup de 1 encore. De 1, encore une fois, et n'allez pas ici parce que le coût est de 25. Ce que vous allez faire plutôt, c'est monter et aller acheter sur le coût de 3 et pas de 25. Et ce que vous allez faire, vous allez gagner le wheel spin ici. Donc vous allez faire le wheel spin, et là on a gagné un wheel spin, donc ça va relancer. Vous allez soit gagner de l'argent, soit une voiture, etc. Et ce que vous allez faire, par exemple, là on gagne, voilà, 175 000. Donc c'est vraiment génial. Ce qui va se passer avec cet argent maintenant, vous allez prendre votre voiture, tac, votre voiture qui était la voiture de drift. Tac, tac, tac. Et ce que vous allez faire, vous montez, vous la livrez, voilà. Et ce qui va se passer avec maintenant, c'est que vous allez améliorer les performances de votre voiture pour faire des drifts plus longs, etc. Et gagner plus de points de maîtrise. Donc vous allez dans réglage, voiture,
Vous allez dans régler la voiture. Ce que vous allez faire, c'est oui, ils vont vous dire voilà, vous faites OK. Et ce que vous allez faire, c'est une recherche. Donc avec l'option, vous allez faire une recherche, changer les réglages. Avec changer les réglages, juste en bas, vous allez voir, vous avez plusieurs réglages disponibles. Et vous allez aller sur celui qui a le plus d'accélération et de départ arrêté. Donc voilà, c'est pas celui-là. Voilà, là on est tombé sur le parfait. Voilà, donc on est à 8 d'accélération et 10 de départ arrêté. Vous allez faire OK. Et là, ça va écrire télécharger et installer. Donc vous faites OK. Et là, vous allez payer justement pour ce réglage parce que c'est quelqu'un qui l'a fait, etc. Donc voilà, c'est 39 000. Et avec ce 39 000, vous faites acheter. Voilà, tac, vous avez gagné de l'argent. Voilà, tant que vous n'avez pas gagné de l'argent, vous continuez vos drifts et vous essayez de gagner d'autres wheel spins. Donc voilà, et d'autres voitures et d'autres argent pour gagner des wheel spins, etc., etc., etc. Donc voilà, vous continuez là-dessus. Donc là, on a acheté la voiture, on a acheté les réglages. Et ce qui se passe sur la voiture maintenant, elle va devenir beaucoup plus puissante. Et donc vous allez faire des spins beaucoup plus longs. Et essayez de prendre large, de faire des longs drifts pour avoir des super drifts, des plus en plus. Et voilà, là vous faites back, c'est le drift, carambolage. Essayez de détruire des éléments de décor, mais essayez de ne pas détruire, de ne pas choquer, par exemple sur ces avions là. Là si je tape sur l'avion, normalement ça devrait s'arrêter. Mais comme j'ai acheté le bonus, que quand on tape une fois, ça ne m'arrête pas, voilà, on s'arrête. Et là vous allez essayer de faire maximum de décor qui est destructif. Pas les gros armes, ne cassent pas, voilà. Ça, vous allez gagner plein de points. Et arrivé au x7, normalement vous pouvez jusqu'à x7 sur le véhicule et vous allez tout augmenter. Et vous allez faire jusqu'à 75 000 à peu près de drift, de points de prouesse. Et arrivé à là, vous allez gagner 10 points de maîtrise des véhicules. Et ce que vous allez faire avec ça, dès que vous allez gagner de l'argent, etc., avec les différents drifts, vous allez dans collection de véhicules. Et ce qu'on va faire, c'est aller faire une petite recherche, encore une fois. Tac. Et on va faire une petite recherche sur Jeep, qui est juste là. Jeep. Et là, vous allez sur la 16 Trailcat. Et sur la 16 Trailcat, elle coûte 75 000. Et ce que vous allez faire, c'est acheter. Voilà. Vous achetez le 75 000. Tac. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la voiture dans votre garage. Donc, vous allez sur changer de véhicule. Et vous allez directement aller sur le véhicule concerné, ce qui est le Trail 2016. Moi j'en ai deux, vu que j'en avais acheté une avant. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur celle qui est écrit nouveau. Donc voilà, c'est juste en bas, c'est écrit rare et à côté c'est écrit nouveau. Donc on va aller sur ça, on va aller monter dans la voiture, on fait OK. Et dès qu'on va arriver dans la voiture, bah on pourra acheter justement les points de chaîne, les points de maîtrise du véhicule. Et dans les points de maîtrise de véhicule de ce véhicule là, vous faites start, voiture, maîtrise de véhicule, et là vous avez le super wheel spin. Donc ce qu'on va faire, il faut 20 points de chaîne, 20 points de prouesse pour arriver au super wheel spin. Donc vous allez acheter XP, acheter celui-là, on va remonter jusqu'à le super wheel spin. Et là, dès qu'on aura le super wheel spin, vous allez avoir vraiment le meilleur des meilleurs. Donc vous allez, voilà, acheter 175. Donc déjà voilà, c'est super, là on est tombé sur un super lot, ça rembourse déjà la voiture, on est à 175 000, la voiture m'a coûté que 75 000. Et là vous allez gagner une autre voiture et un klaxon, voilà. Après vous pouvez gagner vraiment des super trucs comme des moins bons trucs. Donc voilà, vous essayez plusieurs fois, donc vous achetez plusieurs fois la même voiture et vous refaites les wheel spins. Donc là ce qu'on va faire, on va accepter vu qu'on a gagné de l'argent. Et n'oubliez pas, vous avez les points de 10 points de Forza Horizon, donc vous pouvez acheter pour un point de prouesse. Moi c'est ce que je fais à chaque fois, tac. Et juste après, quand on a fini ça, voilà, on a verrouillé, on revient en arrière et on fait acheter et vendre des véhicules d'occasion. Vu que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez pas acheter plusieurs trials 2016, donc on va aller directement la vendre. Donc on va aller faire voyager instantanément jusqu'à Mexico, on fait OK. Et là ce qu'on va faire, c'est vendre le 4x4 justement. Et là, on va aller en salle des ventes. Ce qu'on va aller faire, c'est commencer la vente. Et on va aller chercher ce véhicule-là. Mais comme moi, j'en ai déjà... Voilà, il faut aller piloter. Il faut faire piloter une autre voiture. N'importe laquelle, vous faites piloter la voiture. Parce qu'on ne peut pas vendre une voiture qu'on est en train de piloter. Donc voilà, là, on pilote une autre voiture. On va aller chercher justement le véhicule qu'on n'a plus besoin. Voilà, le Trail 4. Et ce qu'on va faire, c'est aller le vendre. On va faire OK. On va faire vendre la voiture. Et vous laissez tel quel, prix de départ 8000 et le prix d'achat immédiat 103. Tac, c'est sur celui-là, tac plutôt. Voilà, 103. On va faire confirmer et on va faire OK. Et ce qui va se passer, c'est que votre voiture va être en vente pendant une heure.
Et la plupart du temps, ça part très vite. Vu qu'elle vaut cher de base, les gens l'achètent très rapidement. Je vais juste vous montrer ça. Juste, donc voilà, là j'ai vendu assez de voitures. Donc voilà, après on va dans mes enchères. Et vous allez voir, dans... Vous quittez tout, plutôt, excusez-moi. Vous allez l'attendre une heure. Et la plupart du temps, ça se vend très très rapidement. Donc je vais revenir dans la salle des ventes. Là, c'est écrit mes ventes, par exemple. Parce que j'ai beaucoup de ventes, voilà. C'est pour vous montrer la preuve. Par exemple, voilà, ce même 4x4 que j'ai acheté à 75 000, là, en l'enchère gagnante est de 129 000. Comme vous pouvez le voir juste là. Donc quelqu'un l'a acheté pour 129 000. Je l'ai payé à 75 000. Donc c'est très rentable. Donc voilà, on va accepter, on va reprendre notre argent. Là, c'est parce que j'ai trop de ventes, c'est pour ça que ça n'a pas apparu. Donc voilà, on fait obtenir les crédits. Donc voilà, j'ai obtenu 175 000. Tac, et vous allez refaire l'opération aussi souvent que possible. Et vous allez gagner des voitures. Par exemple, là, je suis à 5 millions, j'ai commencé que hier soir. Donc voilà, c'est plusieurs millions qui vont venir. Et plusieurs voitures que vous allez gagner en plus. Et à chaque fois que vous gagnez une voiture, vous pouvez aller chercher le wheel spin. Donc allez prendre les points de prouesse et acheter les wheel spin. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, j'accepte tous mes gains. Là, j'ai vendu à 50 000. Elle vaut que 75 000. Alors que j'ai gagné 175 000 avec, plus une voiture, plus un klaxon. Donc voilà. Tac, on fait accepter. Tac. Et là, j'en ai encore une autre qui est vendue à 129 000 alors qu'elle m'a coûté que 75 000 crédits. Donc je suis vraiment heureux. Donc voilà, je la rachète. Voilà, j'accepte mes crédits. Donc voilà, obtenir ces crédits. Encore une note à 129 000 alors qu'elle m'a coûté 75 000. Et ce qu'on va faire, c'est recommencer l'opération aussi souvent que possible. Après, si vous voulez vendre notre voiture, vous pouvez. Celle-là, en tout cas, c'est celle qui se vend le plus cher. Donc là, ce qu'on va arriver, ce qu'on va voir, c'est que j'étais à 5 millions. Voilà, là, je suis à 6 240 000. Donc c'est la façon la plus facile de gagner de l'argent. Et là, vous allez avoir, à force de gagner de l'argent et des points de prouesse, vous allez avoir des tirages gratuits. Donc voilà, j'ai gagné un tirage, par exemple, en vendant mes voitures. Ah, tant mieux. Et là, je regagne une autre voiture. Ce que je vais faire avec cette voiture, par exemple, c'est aller dans voiture, changer de voiture. Je vais prendre la voiture que justement je viens de gagner. Et ce que je vais faire avec, c'est faire start. Voiture, point de maîtrise. Et aller chercher le Wispin là. Le moins cher possible. Là, faut aller là. Moi, j'ai plus de points de. Voilà, donc je vais regagner des points et racheter. Et faire celui-là, ça, et revenir là. Et ce sera le moins cher et je gagnerai un wheel spin gratuit. Donc, voilà. C'est l'astuce d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que l'astuce vous a plu. Voilà, elle est faisable autant de fois que possible. Elle est super rentable. Même si vous avez acheté la voiture 75, vous pouvez la donner carrément à quelqu'un. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter. Voilà, en tout cas c'était une de mes astuces que j'ai trouvées. Donc et comme vous voyez, elle se vend extrêmement bien la trail de 2016 de Jeep. Donc voilà. En tout cas sur ce les boys, je vous laisse là-dessus. Si tu oublies d'une astuce, ce serait juste de drifter tout au long des routes de Forza Horizon pour découvrir justement la map en même temps de gagner les points de quest, etc. Donc voilà.